3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Dominique Lebel. Je suis très très heureuse de te recevoir. Alors on va aller rapidement dans la présentation. Je vais juste citer quelques-uns de tes ouvrages très rapidement. Elle s'appelait Sonia Vergic. C'est un roman édité par Hélène Jacob. Ensuite, il y a eu Un lundi au soleil, un roman encore chez Hélène Jacob. Puis tu as eu un recueil de nouvelles, Monstre. Et le roman dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Bitume, et il est sorti chez l'Harmattan. Alors, je t'ai rencontré un jour au Salon du Livre et tu étais venu me voir et c'était vraiment très, ça m'avait beaucoup touché parce que tu m'avais dit que tu avais lu Fanny N, un de mes romans, et que tu l'avais aimé. Et comme c'est un roman très spécial pour moi, ben ça m'avait beaucoup touché. Mais je te connaissais déjà à travers le personnage de Carmen qui revenait. Voilà, j'aime beaucoup. Tu as un blog de chroniques assez savoureux. Tu as ce personnage de Carmen qui est drôle. Donc voilà, j'avais le plaisir à te lire, mais je ne te connaissais pas. Donc aujourd'hui, ça concrétise autre chose. On va parler de ton roman que j'ai lu, Bitume, qui est un roman vraiment à la fois original et très profond. Enfin bon, on va en parler. Je rappelle juste le principe de l'entretien hein, que tu connais. On ne parle pas de marketing ici. Je sais que ça va te convenir tout à fait. Que c'est, voilà, que toi aussi tu en as marre de cet aspect de l'auto-édition. Et donc, on va parler d'écriture, de romans, de lecture, de plaisir de lecture, voilà. Et à travers particulièrement ton dernier roman, Bitume. C'est un ouvrage qui est difficile à caser. Ça pourrait s'apparenter à une suite de nouvelles avec un fil conducteur, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que ce fil conducteur est tellement fort, en fait, que ça en fait vraiment un vrai roman. Donc, voilà, c'est quelque chose de très ciselé, de très peaufiné, de très travaillé. Et on sent, lorsque tu écris, lorsqu'on lit ce roman, on sent chez toi un amour de tes personnages. C'est ce qui me frappe le plus, c'est ce qui m'est venu le plus en fermant le livre. C'est chacun de tes personnages, Dieu sait qu'ils sont différents, on sent l'amour que l'auteur leur porte, et quelle que soit leur trajectoire, leur vie, ce qu'ils ont pu faire. Voilà, donc je vais arrêter là et je vais te demander si tu peux nous en faire juste un petit pitch. Oui, ben, Bitume, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'histoire d'une romancière avant tout. Si je vais te faire plaisir, je vais te mettre Bitume dans une catégorie, c'est de l'autofiction. C'est une espèce d'autofiction en live, en fait, parce que c'est un livre qui raconte le livre en train de se faire. Et en fait, c'est l'histoire d'une romancière qui veut se construire un enfer, écrire un livre sur l'enfer. Et donc, elle choisit un lieu inhospitalier, tant qu'à faire. C'est une autoroute. Elle enferme ses personnages, donc elle fabrique un embouteillage. Et puis, pour que ça brûle bien, elle choisit un jour où il fait chaud, quoi, où il fait très chaud. Et elle met ses damnés à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le principe du livre. Et alors pendant que tu parles, j'imagine un chaudron. Ah oui, Et voilà, oui. je dois dire Et les que personnages qui cuisent là-dedans. la première lectrice à qui j'ai envoyé le livre, elle l'a lu en pleine canicule. Il a fait un moment très très chaud. Ah Elle oui, ah habite Nice et elle m'a dit, là, je t'en veux, là, parce que j'ai oui. vraiment chaud. Oui, Oui, ben le oui, il fallait. chaudron du diable, le chaudron du diable, Il hein, fallait. on, oui. Il fallait de la chaleur. Bon, pour Oui. mes personnages, je suis une grosse sentimentale, donc forcément, ça Oui, dérape dans les oui. sentiments avec moi toujours. Hein. Oui, oui. Oui, Alors, ça est-ce que c'est. tu peux nous présenter justement, alors ça, c'est, on va dire, ce que tu viens de nous dire. Je ne dirais pas que c'est l'histoire du roman, je dirais que c'est l'histoire de ce qui a amené ce roman. Oui. Mais ensuite, quand on le lit, ben on a des personnages, on a vraiment des histoires, on a des thèmes aussi, Oui. plusieurs thèmes. Moi, je te demande, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, hein, ce que j'aimerais, c'est que tu nous cites quelques personnages, quelques thèmes abordés, pas tous parce que c'est très riche, et aussi ben, cette forme littéraire particulière, parce que. Oui. Alors, les personnages, déjà, ils sont tirés de la tradition médiévale, quand même. C'est-à-dire que pour faire mon enfer, j'ai suivi les traces de Dante et Virgile, les traces de la Divine Comédie. Et donc, mes personnages, ce sont des damnés qui ressemblent d'une certaine façon aux damnés du Moyen-Âge.
Donc, on va retrouver les personnages traditionnels qu'on voit même dans les représentations des églises. Hein, Albi, il y a un jugement dernier, on les trouve. Il y a l'orgueilleux, il y a le violent contre lui-même, il y a le violent contre les autres, etc. Il y a l'hérétique, etc. Donc, pour en venir au détail des personnages, bon, bah, l'hérétique, par exemple, c'est une prof d'italien, c'est une jeune prof d'italien. Elle s'appelle Mélanie et elle tombe amoureuse d'un de ses élèves. Alors ça, c'est un sujet tabou dans l'éducation nationale. C'est le thème principal de mon livre, enfin ce qui m'a le plus préoccupé dans mon livre, c'est de montrer que, en fait, on est tous... c'est pas facile d'être quelqu'un de bien, voilà. Moi, je trouve dans la vie, sur les réseaux sociaux, quand on lit les gens, tout le monde est parfait. On a chacun sa banderole, on est pour quelque chose, contre quelque chose, et puis c'est simple. Et moi, je trouve que dans la vie, c'est pas simple. Alors, par exemple, bah oui, c'est pas facile. Moi, j'ai été prof, j'ai été plus jeune, et c'est pas facile de pas être troublée par un élève. On peut pas en parler, c'est totalement tabou, mais c'est pas évident. Alors, j'ai jamais couché avec un élève, mais bah, ça aurait peut-être pu m'arriver. Oui, bon, c'est des choses comme ça. On a aussi le gourmand, Louis. Bah, c'est pas facile de s'empiffrer. Voilà. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a, l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est un médecin de campagne qui a pignon sur rue, qui est le médecin vraiment respecté. Et puis voilà que son fils fait d'énormes bêtises et ça lui empoisonne l'existence parce que ça rejaillit sur son image. Et c'est pas facile aussi de ne pas en vouloir à un enfant quand il t'empoisonne la vie. Oui, et alors voilà, donc, moi j'ai une question là, si on en revient à l'écriture. Oui. Tu me dis que voilà, ils sont tous représentés sur les bas-reliefs. Voilà, ils sont dans cet enfer, l'orgueilleux, le gourmand, etc. Oui. Mais et puis après, tu me dis, il y a Amélie, y a, voilà, enfin ou Mélanie, je sais plus. Il y a voilà les noms. Tu me dis, mais comment tu passes d'un bas-relief à un personnage tellement actuel, la prof d'italien ou la prof de qui tombe amoureuse de son... Voilà, pourquoi tout d'un coup? Alors, c'était quoi, le péché de quoi, dans le bas-relief? Ah, dans le bas-relief, tu retrouves dans les bas-reliefs et chez Dante, tu retrouves les mêmes péchés. Tu as le péché d'orgueil, tu as le péché non, de... Non, mais pour elle, pour la prof, pour la... Ah, d'hérétique, voilà. Comment, en voyant une hérétique sur un bas-relief médiéval... Oui. Pourquoi cette prof qui tombe amoureuse d'un élève, quoi? Je veux dire, ça aurait pu être mille façons de représenter un hérétique. Pourquoi? Ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est comment tu passes de ces représentations médiévales à des personnages actuels. Et tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'elle avait pas en elle ce personnage? Elle avait envie d'en parler. Et puis, tout d'un coup, elle s'est dit, oh, mais ça correspond tout à fait à un hérétique. Et donc, ça va rentrer dans mon enfer. C'est un peu des deux. Parce que je pense que les personnages, oui, je les avais en moi. Et c'est vrai que c'est... Bon, je vais te raconter alors la jeunesse du bouquin. Oui. En fait, je suis partie de Louis, le gourmand. Oui. Voilà. Super je suis partie personnage. Parce que quand je commence à écrire un livre, c'est parce que j'ai une image dans la tête. Et cette image, elle ne me lâche pas. Et tant que je n'ai pas écrit le livre, ça ne va pas. Donc, j'ai eu l'image d'un type qui surveille l'autoroute. Super. Qui est devant cet écran et qui regarde, qui voit des têtes comme ça à travers des vitres, qui voit de vagues silhouettes et ces espèces de gros insectes qui sont là sur la route. Et à partir de là, il s'imagine des vies. Bon, parce que l'autoroute, c'est ça, en fait. Moi, ça m'a toujours fasciné, l'autoroute, parce qu'on voit des petites silhouettes, c'est des gens abstraits. Mmh. Et puis après, quand tu arrives, bon, ils sont là, dans leurs gros insectes, à travers leurs vitres. Et puis quand tu t'arrêtes à une station-service ou dans un restaurant, tout à coup, ces gens, ils prennent une humanité. Mmh. Alors tu les vois, ils sont en famille, ils s'engueulent, ils s'embrassent, etc. Ça devient des vrais êtres humains comme toi. Puis après ils redeviennent, ils rentrent dans leur voiture et ils redeviennent ces images, des choses complètement abstraites, voilà. Oui, et on est tous prisonniers dans cette autoroute. Oui, exactement, exactement. Donc ce Louis, je l'ai vu gros. J'aime bien les gros dans la vie, moi. J'ai toujours aimé les gens gros. Je suis toujours tombée en
en amour pour des gens gros. Mais c'est pour ça que tu as aimé Fanny Henn, alors, je comprends. Non, non. C'est vrai, ça me touche, les gros, ils me touchent. J'aime bien ces gens qui dansent quand ils marchent comme ça. Mmh. Et donc, je le voyais gros, puis après, je le voyais manger tout le temps, je voyais des miettes partout, des trucs comme ça. Et puis dans mon bureau, il y avait l'Enfer de Dante. Et puis un jour, je suis tombée sur... J'ai pris le livre et j'avais commencé à écrire, à mettre un personnage à côté de Louis, justement, un personnage qui sortait de sa voiture comme ça. Et il y avait des insectes autour de ce personnage. Et puis voilà, et puis il y avait la chaleur, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une étroite relation entre Dante et ce que j'étais en train d'écrire, ce que je commençais à écrire. D'accord, d'accord. Voilà. Mais là, donc ça, c'est la genèse du livre. Super. Mais sinon quand tu vois ce qu'a fait Dante, ben, il a pris des personnages pour eux. Bon, il connaissait évidemment la tradition médiévale puisqu'il était en plein dedans, mais il a pris les personnages de son entourage, il a pris des personnages connus à son époque. C'est pour ça d'ailleurs que c'est impossible à lire ce livre, que personne le lit, parce que c'est des personnages qu'on ne connaît pas. Et oui, oui, oui. Imagine qu'on mette Neymar dans deux siècles dans un bouquin, les gens diraient c'est qui celui-là, ça les barberait. Et en fait, le voyage en enfer, il est génial dans ce livre. J'aurais bien aimé avoir ce talent-là. Et ce sont les personnages qui sont difficiles parce que ce sont des Florentins de l'époque qui ont disparu des circuits, nous on ne les connaît pas. D'accord. Donc, mais... il a fait comme ça, il a pris des personnages qui lui parlaient, quoi. Bon, moi j'ai été prof, donc c'est celle qui me ressemble peut-être le plus, puisque oui, elle fait mon métier. Mais, alors, donc, on a le médecin, on a la prof, on a le gros qui surveille l'autoroute, oui, on a le camionneur, vas-y. Il y a deux camionneurs, il y a un camionneur gringalé. Oui, mais assez dangereux quand même, hein, assez effrayant. Il est incontrôlable. Oui, il est incontrôlable. Et il y a le gros qui est camionneur aussi et qui va, qui est un gros gentil. Oui. Et puis il y a qui alors encore? Attends, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a deux médecins. Oui, il y a deux, bien sûr. Voilà. Le médecin en amène un autre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un jeune médecin qui est un citadin et qui a voulu. Qui a rêvé, contrairement aux jeunes médecins d'aujourd'hui, qui a rêvé de s'installer à la campagne. Maintenant, ils ne veulent pas, ils veulent tous être dans les grandes villes, mais lui, c'était son rêve. Et il ne s'est pas rendu compte que le milieu paysan et le milieu citadin, ce n'est pas la même chose. Oui. Et il est très, très malheureux. Dans ce... Voilà, il a beaucoup de mal. Oui. Il a beaucoup de mal. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des personnages là ou non? Alors, c'est les damnés, ça. Oui. Ça, ce sont les damnés. Il y en a un aussi qui est une espèce de... Comment s'appelait-il, là, celui qui a donné de très mauvais conseils à la banque, il y a un petit banquier. Oui. Et il y a Fanny. Fanny qui est tombée sur un baratineur. Oui, oui. Un baratineur. Voilà, Fanny qui s'est fait avoir par un homme. Ça aussi, c'est pas facile. Non. De les repérer, ceux-là. De leur échapper. Mmh. Voilà, elle a plongé là-dedans. Ça, ce sont les damnés. Puis il y a des personnages parodiques à côté d'eux. C'est-à-dire, il y a deux personnages parodiques qui sont directement inspirés de l'Enfer de Dante. Il y a Virgile. Alors, Virgile, c'est le guide de Dante quand Dante veut aller aux enfers. En fait, Dante veut aller en enfer. Il est obligé de traverser l'enfer parce qu'il veut retrouver au paradis son amour de jeunesse, Béatrice. Voilà. Oui. Et donc, en fait, s'il va en enfer, c'est aussi parce qu'il s'est très mal conduit quand Béatrice est morte. Il a fait n'importe quoi. Il draguait tout ce qui bougeait, il a bu, etc. Donc, il n'est pas sûr qu'elle veuille de lui encore. Et puis, en fait, ça se passe bien. Il va la retrouver à la sortie de l'enfer et elle va l'emmener au paradis. Mmh. Alors, Virgile, c'est le guide, puisque Virgile, il connaît l'enfer, il est déjà mort. Et mon Virgile, il est conducteur d'ambulance. Oui. Il va finir chauffeur de taxi. Et puis, l'autre personnage parodique, c'est Béatrice, justement. Voilà, Béatrice, elle travaille dans une station-service. Super. Et c'est là, justement, qu'il y a le plus d'humanité dans les personnages. Mm. Voilà.
Écoute, tu en parles très très bien et c'est super. Je suis très très contente de t'interroger sur ce roman. C'est vraiment super. Alors donc là, tu nous as parlé ben, finalement d'où est venue l'idée. Ouais, voilà. Tu nous as parlé. Ben, on comprend le choix formel. C'est une question que j'ai même pas à te poser parce que ça s'est imposé. Voilà, quand tu as vu qu'il y avait l'enfer dans ton bureau au moment où tu avais ces images qui arrivaient, et puis petit à petit les personnages se sont comme un rouage se sont mis en place et tu avais le choix formel de l'enfer de Dante que tu as suivi quoi en fait. Oui. Et puis tu as alors l'aspect que je voudrais quand même tu as dit un petit peu tout à l'heure que ce qui t'intéressait dans les personnages, ben voilà, c'est le côté que c'est pas facile d'être quelqu'un de bien et que donc tu essayes de trouver à chaque fois chez un personnage une faiblesse humaine, on va dire, comme ça, que tu pourrais un petit peu voilà, souligner et exploiter dans ton écriture. Mais quand même, tu as une faculté d'empathie avec tes personnages. Au-delà de l'empathie, d'amour, moi je dirais, hein, qui donne le sentiment, chaque fois que tu parles d'un personnage, on dirait que tu as vécu ça. C'est-à-dire sa faiblesse, ses difficultés, ses douleurs à surmonter, voilà, on dirait que tu les as vécues. Bon, alors à la fin, quand je ferme le livre, je me dis quand même, elle n'a pas pu vivre tout ça, c'est pas possible dans une vie. Donc voilà, ma question, c'est comment est-ce que tu fais quoi? D'où te vient cette magie, si tant est que tu arriverais à l'expliquer? Ou est-ce que à chaque fois il te faut un point commun quand même quelque part avec ton personnage? Écoute, j'en sais rien. Je sais que bon, il y a quelques points communs. Bon, le médecin, le plus âgé des médecins, lui, il y a un modèle. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte. Puis à mesure que j'écrivais sur ce personnage, j'ai vu quelqu'un que je connais. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu. C'était le médecin de ma maman, qui était mère d'Oulgat d'ailleurs. C'était un petit peu bon, il ressemble à ce médecin. Oui, j'ai vu son visage, donc forcément je m'en suis pas rendu compte au départ. Sinon les autres noms, mais bon, il y a des déjà je fais partie de c'est très embêtant dans la vie, mais je fais partie des gens qu'on appelle des hypersensibles. Et donc j'ai l'empathie, elle est très très forte chez moi. Oui, Bon, d'accord. ça pose des problèmes, c'est pas toujours pratique dans l'existence, c'est pas toujours facile. Bon, après, il y a quand même des points communs. Par exemple, Louis, je suis pas grosse, j'ai jamais été grosse. Par contre, j'ai été anorexique. Ah oui, Donc, les désordres alimentaires, j'ai connu ça. J'ai pesé 39 kilos, donc je sais ce que c'est. Sinon, Fanny, bon bah oui, Fanny, oui, je suis tombée aussi. J'ai failli tomber dans les filets d'un de ce pervers. genre d'âge. Et puis j'avais un père qui était un grand séducteur, donc j'ai assisté à ça, au ravage que ça peut faire. Puis Mélanie, oui, ça c'est Mélanie. Fanny, Non, bon, c'est je suis enfin Fanny. Fanny, c'est Fanny, hein, si moi je comprends mes personnages. Mélanie, bah oui, j'ai déjà été troublée par des élèves, bien sûr. C'est à la fois très agréable et puis très très dangereux. Bon, c'est agréable parce que c'est dangereux aussi. Oui. Bon, et puis non, sinon non. Ce que je voulais aussi dans ce livre, ce qui m'intéressait, alors là vraiment au niveau de l'écriture, Oui. pas personnellement, pas profondément, mais vraiment au niveau de la technique d'écriture, Oui. c'était établir des relations entre les personnages, établir un réseau comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais complètement fanat de Dos Passos, et c'est lui qui m'a montré cette voie. Voilà, et Oui, d'accord. lui, il fait ça, on est à New York, et puis Oui. tu connais plein de personnages, et toi, tu les connais, ils se croisent, ils se parlent pas forcément, Oui, etc. oui, Et oui, ça, c'est un truc qui m'avait emballé. oui. Oui. Et bon, j'ai pas fait exprès, je me suis pas dit je vais faire comme Dos Passos, évidemment, mais je me rends compte que j'ai certainement été influencée. Oui, et Oui, c'est ce qui permet à cette suite de vie très oui. différente dans ton autoroute de ne pas être juste un recueil de nouvelles reliées comme Voilà. ça par un vague fil, mais d'être Voilà. vraiment quelque chose qui se croise, qui se recroise, une espèce de toile Voilà. d'araignée comme ça, des relations humaines.
Voilà, il y a des personnages qui se rencontrent au moment de cet embouteillage. Ça va changer leur vie. Il y a des personnages. Fanny, elle va rencontrer son mari, par exemple. Le médecin, c'est bon. Il y en a un qui est le père de l'autre, etc. Il y en a Il y a qui un vont juste. frère disparu, il y a voilà. Il y en a qui vont juste se côtoyer et nous, on va les voir se côtoyer. Et puis, Béatrice, elle est dans la station-service, Elle donc voit elle tout le connaît monde. Quelques-uns de ces personnages. Et elle commente. Je ma Carmen dans Béatrice, je ne sais pas si ça se voit. Oui. J'ai mis une histoire de robe rouge quand même, j'ai dit, oh, allez. Oui, c'est. Alors écoute, on arrive au moment où je vais pouvoir lire, et ça j'adore. Alors, je me rapproche un peu parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas augmenté le. Je vais peut-être prendre le temps d'augmenter la. Tu sais, le police de caractère pour bien voir ce que je lis. Voilà, allez. Donc, c'est un extrait, c'est toi qui l'as choisi, hein, et tu as choisi le personnage de Fanny dans le cercle des falsificateurs de paroles, autrement dit des baratineurs. Ah oui, Voilà. si je peux dire un petit truc, Oui, bien sûr. c'est parce que y a une phrase qui va être importante pour elle. Oui. Et moi, je trouve c'est important. Quelquefois, une phrase peut changer ta vie. Oui, c'est Je vrai. crois fortement à ça. Et je crois aussi profondément que chacun, dans une vie, va dire une phrase, une seule phrase, qui va vraiment le définir, qui va vraiment être lui-même, C'est qui va être. impressionnant ce que tu dis là, parce que je suis en train de me dire, mais alors qu'est-ce que c'est ma phrase? Non, c'est pas toi qui vas la trouver, c'est les autres. C'est les autres. Moi, je sais que de mes parents, chacun a eu une phrase que j'ai au fond de moi, quoi, c'est eux. Voilà. Et je pense aussi qu'on peut faire, tu sais bien qu'on peut faire beaucoup de mal avec une phrase, on peut Oui. faire beaucoup de bien avec une phrase. Oui. On peut modifier le destin d'une personne avec une seule phrase. Voilà. Et donc, ça revient dans mon livre. D'accord, super. Alors, donc extrait de Fanny. J'aurais dû me méfier, c'est ma faute aussi. J'aurais pu aussi bien retourner m'asseoir dans ma voiture et monter la clim, relever ma vitre et ne plus le regarder. Il s'en serait allé alors et tout se serait arrêté là. Seulement, il existait une faille, comme il s'en trouve un peu partout sur nos chemins de vie. Une ouverture à peine visible avec un piège installé à l'intérieur, pour une seule personne à la fois. Le piège était pour moi et j'ai plongé dedans, la tête la première. Une autre aurait fait un détour, se serait dit, bon, je lui parle 2 minutes, nous nous disons 3 mots, puisque nous nous trouvons bloqués là comme 2 imbéciles, ça ne mange pas de pain et il n'est pas désagréable, plutôt mignon, et après, surtout, je m'enferme dans la voiture et j'attends qu'il libère au moins une voix, ce qui ne devrait pas tarder. Une autre, un peu plus sensée, aurait dit, excusez-moi, je crois que quelqu'un m'appelle, et elle serait retournée dans sa voiture, aurait fouillé dans son sac pour qu'il la croie. Mais je ne suis pas une autre, et lui m'a dit, ah, vous me laissez? C'est ce que j'ai entendu. Vous me laissez. Il y a des phrases comme celle-là qu'il faudrait interdire. Ou alors, les femmes devraient posséder un radar qui les rendrait sourdes à ce moment-là. Parce que malgré le bruit ambiant, la sirène, les klaxons et le passage des voitures de l'autre côté, j'ai parfaitement entendu ces mots-là. Ils étaient prononcés d'une voix grave qui a enchanté l'autoroute et l'espace si encombré qui m'entourait, s'évider de ses reliefs de tôle pour devenir un désert de sable. Un désert de couleur ocre, sans la moindre trace de gris, mais un désert particulier au milieu des champs, avec les montagnes en arrière-fond. Alors mon cœur a fondu, parce qu'on ne m'avait jamais dit une chose pareille dans le désert, et c'était totalement déloyal de sa part. Une autre aurait simplement souri, répondu peut-être « Oh, mais vous allez vous en remettre !» Moi, je suis restée là, debout devant lui, au milieu des voitures arrêtées. Et il m'a dit « Attendez, j'ai à boire dans ma voiture, qu'est-ce que je vous offre ?» Et une femme près de nous, qui avait ouvert sa portière, s'est retournée et m'a regardée en souriant. Je crois qu'elle l'avait entendue, elle aussi, et qu'elle avait compris. On lui avait peut-être dit cela un jour, à elle aussi. Vous me laissez.
Avec cette chaleur, il faut boire, a-t-il ajouté. Ah, c'est bien quand c'est toi qui lis. C'est vraiment... T'as une bonne allure, dis donc. C'est super à lire. Hein. C'est... Merci. Ah, oui, non, non, mais c'est bien, tu me fais un beau cadeau, là. Écoute, je vais te dire, Dominique, moi, je serais toi, je le propose, j'en ferai une mise en scène théâtrale de ce roman. Ben, ça va peut-être être fait, en fait. Ah, ça ne m'étonne pas. Il y a un lycée qui m'a proposé, bon, il y a tout un projet et... Ouais. Oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment, voilà, tous ces personnages, ça fait un ensemble choral magnifique et on les imagine, moi je les imagine très bien parlant au public ouais. Et à chaque fois, toute leur vie défile, quoi. Enfin, vraiment, c'est, ouais, non, c'est, ça serait, en fait, c'est presque un texte théâtral. Alors, mes questions, c'est, tu es une auto-éditée, mais une auto-éditée pas vraiment qui s'auto-édite. Et j'ai essayé l'auto-édition. En fait, j'ai eu un problème technique déjà. C'est que j'ai sorti deux livres papier, enfin en Kindle oui. Et papier. Et pour le livre papier, j'avais oublié l'histoire de la BNF. Ah. Bon. Et puis, je n'étais pas déclarée comme auto-éditeur. Enfin, j'avais fait un peu légèrement les choses. Et je me suis dit, je ne peux pas faire les choses comme ça, n'importe comment. Donc, je les retire de la vente pour l'instant, puis je refais les choses bien. J'ai jamais refait, parce qu'en fait, je ne sais pas, ça n'a pas trop marché l'auto-édition pour moi. Je crois que, enfin, c'est compliqué, c'est un peu hasardeux. C'est-à-dire, c'est un peu difficile parce que tu vois des gens qui ont un succès fou, je crois qu'il faut se faire un fan club. Oui. Moi, j'ai eu un fan club pour mon blog. Oui, tu as un fan club. Je me suis un peu, quoi, quand même, ça marchait oui. bien. Et je me suis un peu enfermée dedans. C'est-à-dire que les gens voulaient Carmen et le blog. Oui, ils ne voulaient pas de mes livres. Enfin, oui. C'est pas qu'ils ne voulaient pas de mes livres, mais c'était différent. Oui, tes livres sont trop différents de ton blog. C'est très différent. Oui, c'est oui. très différent. Mais un blog, c'est un blog. On n'écrit oui. pas de la même façon. Non. Puis dans un livre, on montre une autre face, plus, certainement plus sombre. Et ça a étonné les gens. Et. Il voulait la face lumineuse oui, oui. que j'ai aussi, comme tout le monde. Quoi. Donc, puis le fan club, il faut faire beaucoup de com, mais ça me plaisait beaucoup. Faire de la pub sur mes livres, tout ça me plaisait beaucoup. Puis, tout bêtement, j'ai eu un message un jour, les femmes, c'est méchant. J'ai eu un message me disant que j'étais ridicule, que j'assommais les gens avec mes pubs. Et une autre aurait dit, voilà, je vais reprendre les paroles de ma Fanny, comme quoi c'est vrai qu'on a des rapports étroits avec ces personnages. Une autre aurait dit, j'en ai rien à faire, va jouer ailleurs. Et moi, j'ai été vraiment catastrophée et bloquée. Et donc, voilà. Ah, donc, d'accord. Ouais. Okay. Une parole que. Non, mais ça dépend du caractère qu'on a. Bon, enfin, je l'ai mal pris. Je me le suis pris en pleine poire, disons. Et j'ai arrêté mes pubs. Et maintenant, je l'ai refait. Et j'en refais pour Bitume, j'en ai refait. Mais je me dis, pourvu qu'elle ne regarde pas ça bêtement. Quoi. J'ai 10 ans quand je. Quelquefois dans ma tête. Oui, mais bon. En fait, si je peux me permettre un conseil. Oui. Moi, c'est-à-dire chaque fois que je fais de la pub pour mes bouquins, oui. mes blogs, mes machins, tout, parce que bon, voilà, tous mes réseaux sociaux, c'est jamais personnel, c'est que professionnel, c'est que Alice Queen, oui. etc. Je me sens déjà ridicule, si tu veux. Je me sens tellement ridicule à le faire que si vraiment des gens me disaient, mais tu es ridicule, j'aurais qu'une réponse, c'est oui, je sais que je suis ridicule, oui. mais il faut le faire, voilà. Faut le faire, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut oui. bien que je parle de mes livres, parce que si j'en parle pas, moi qui va en parler, voilà. Donc, je suis tellement prévenue à l'avance par moi-même, et j'ai tellement en moi cette voix que tu as dit, les femmes sont méchantes, elle est oui. tellement déjà en moi pour moi. Qu'elle prévient à l'avance toutes les méchancetés qui peuvent m'arriver par ailleurs. Donc du coup, si tu veux, les méchancetés, je les ignore en fait maintenant. Oui, oui, je les ignore parce que je les connais d'avance, quoi. Voilà, elles oui. sont en moi déjà. Je pensais être comme toi. Je pensais, oui. puis finalement non. Oui, mais tu sais, on évolue, hein.
On se blinde, hein, on se blinde. Donc, alors peut-être que ce qui était difficile à une époque, le serait peut-être plus dans un an ou dans 2 ans ou dans 5 ans pour toi, tu vois. Bon, chacun son rythme aussi, chacun son truc. Je ne dis pas que c'est obligatoire non plus de le faire, mais c'est bien, il faut parler de ses livres, bien sûr. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que moi j'ai toujours rêvé d'être chez un grand éditeur. C'est mon rêve, tu sais, moi j'ai le rêve Françoise Sagan, quoi. C'est ma génération et c'était mon héroïne littéraire. Et voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être éditée chez Gallimard et c'est un vieux rêve. Donc j'ai tenté ma chance auprès d'éditeurs Rive Gauche. C'est bon, et voilà, mais on a beau me dire, on peut me dire ce qu'on veut, c'est mon rêve. Eh ben, t'as raison, il faut garder ses rêves et puis rien n'est joué encore, hein, tu sais. Je reste plongée dans l'auto-édition parce que je lis beaucoup d'auto-édités. Oui. Et là, bon, c'est important pour moi. C'est un monde que j'aime bien. Il y a des gens vraiment de talent là-dedans. Et c'est vrai, tu en fais partie d'ailleurs. Merci. Tiens, voilà, comme ça, je flatte le... Tu flattes celle qui t'invite sur son... T'as raison, c'est bien, c'est bien. Non, je le pense. Je sais, je sais. Je dis ce que je pense en général. Je sais. Ou je me tais, mais je m'en rends très rarement. Je ne sais pas bien le faire, donc c'est pas la peine. Non, je sais. Et puis tu as une façon, dans tes chroniques, on le sent très bien, tu as une façon, quand tu n'as pas tout à fait aimé quelque chose, mais quand même aimé certaines choses dedans, ou que tu as peur de blesser la personne, mais que tu veux en parler quand même. On sent très bien que si tu n'avais pas voulu en parler, tu n'aurais carrément pas évoqué. Voilà. Et que donc, si tu en parles, c'est que tu as quelque chose de bon à dire dessus. Et même si ce n'est pas complètement à 100%, ben, tu vas... mais le faire d'une certaine manière, et c'est ce que j'aime bien dans tes chroniques, c'est que à la fois elles sont on va dire plus ou moins toujours positives pour le livre que tu défends, mais en même temps si tu as des petites réticences ou des petites retenues, on le sent aussi entre les lignes, sans que tu sois méchante, sans que tu sois méchante, et ça j'aime bien, parce que moi je trouve que dans la vie ça va, c'est assez dur comme ça, on n'a pas besoin en plus de se taper dessus les uns sur les autres, tu vois. Et puis dans ces cas-là, enfin, je me dis aussi, tout bêtement, mais qui je suis, moi, pour décréter qu'un livre est nul, non. Mais quand ça ne me plaît pas du tout, non, il y a des livres, je refuse, enfin, je ne fais pas. Oui, voilà, bien sûr. Moi, c'est pareil dans mes commentaires. Enfin, moi, je ne fais pas d'articles, de chroniques sur les livres, mais par contre, je mets des commentaires sur Amazon sous un autre nom. Mais quand le livre m'a pas plu, j'en mets pas, puis c'est tout. Ou parfois, parfois c'est des raisons purement techniques, je me dis je peux pas dire du bien de ce livre alors qu'il y a trop encore de défauts techniques idiots, tu vois. Donc j'écris à l'auteur en lui disant voilà, il faudrait revoir ça. Bon, des trucs idiots parfois, et puis pour améliorer. Et puis voilà, ça peut aider. Il y en a qui le prennent mal, il y en a qui le prennent bien. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai rencontré un autre problème aussi avec l'auto-édition, c'est que, bon, on touche un public, le public d'Amazon, le public de lectrices, ce sont surtout des lectrices d'Amazon, et ce sont des lectrices qui demandent, quand même, qui exigent un format. Oui, c'est vrai. Bon, et moi, j'arrive pas, je sais pas faire. Alors, on me dit, c'est confus, on me dit, je comprends rien, on me dit... bon, on m'a dit beaucoup de choses comme ça, mais bon, parce que c'est ma façon de faire. Oui, je peux pas suivre une trame, c'est pas possible, je sais pas écrire comme ça. Puis si j'ai une trame, ça m'ennuie, donc j'arrive pas à écrire parce que je m'ennuie. Et donc, j'ai pas. Comme je suis pas un format, je fais des. Ce livre Bitume, la première mouture, je l'ai montré à une éditrice que tu connais bien. Qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, elle me l'a dit très très gentiment, hein, c'est pas... elle m'a dit, mais ça ressemble à rien. Et, bon, elle m'a aidée puisqu'elle m'a souligné un défaut que j'ai corrigé après, mais enfin mon livre il était quand même déjà il n'a pas beaucoup changé, et c'est vrai que c'est le format du livre l'a complètement dérouté et ne lui a pas plu, donc c'est même pas la peine. Un livre comme Bitume, je ne l'aurais jamais auto-édité, c'est pas possible. Non. Ben, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'auto-édition sous deux angles, Dominique. On peut le prendre en disant, ben, voilà, pour m'auto-éditer, j'attends, si je m'auto-édite, j'en attends
quand même un minimum de succès, entre guillemets, ou d'être appréciée par les lecteurs d'Amazon. Et donc, il va falloir que je rentre dans un format, dans un truc, parce qu'on sait bien que dans le top 100 d'Amazon, il n'y a qu'un certain type de roman, ou quelques types. Ou alors, l'autre angle de vue, et moi, c'est comme ça que je l'ai abordé au départ, l'auto-édition, parce que je venais de l'édition traditionnelle, et j'en avais un peu ma claque, et donc je me suis dit, je veux que mes livres soient accessibles à des lecteurs, quel que soit le nombre, quel que soit le genre de lecteur, qui comprennent ou qui ne comprennent pas. Je veux que, si, voilà, j'ai écrit ce livre, j'ai passé du temps, je veux qu'il soit accessible et que des gens puissent l'acheter et le lire. Et si c'est que 3 personnes, ça sera que 3 personnes, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est une façon de le donner à la lecture. Bon, toi, tu as des éditeurs, donc tu l'as sorti chez Harmattan, celui-là chez Harmattan, et puis chez Hélène Jacob, les autres avant. Donc, ça va du moment qu'ils sont lisibles par des lecteurs. Après, c'est vrai que ton style d'écriture est un style difficile, je dirais, pour les gens qui ont l'habitude de lire des choses plus... Voilà, effectivement, les choses qu'on trouve sur Amazon ou alors même en librairie, sur les tables, enfin, je veux dire, les meilleures ventes, quoi. Enfin, c'est pas difficile en soi, parce que je pense pas écrire d'une façon compliquée. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est à la fois ton format... difficile, c'est que c'est inhabituel, voilà, c'est inhabituel, et donc tu casses ce à quoi s'attendent les gens. Après, ton écriture elle-même, elle est fluide, elle est agréable à lire, c'est pas de l'écriture dont je parlais, c'est du format de tes trucs, et puis après, tes sujets, tes thèmes, enfin voilà, tu n'obéis pas à des règles auxquelles s'attendent, voilà, c'est un petit peu comme les films, quoi, voilà, il y a des formats... J'aimerais bien obéir à ça, en fait, j'aimerais bien, mais je ne sais pas faire, je suis incapable. J'ai essayé, je ne l'ai pas fait vraiment volontairement, j'avais lu tellement d'auto-édités que j'ai écrit un livre qui ressemblait, je me suis dit, tiens, ça c'est un bon livre pour Amazon, ça c'était vraiment, j'étais contente. J'ai fait lire mon mari qui m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin, tu es capable de mieux que ça, enfin, qu'est-ce que tu fais là, enfin, voilà. Je l'ai mis à la poubelle, je l'ai enlevé de mon ordinateur, enfin, c'est vraiment, il n'existe plus ce truc-là. Donc, je ne suis pas faite pour ça. Oui, oui. Je n'ai pas fait pour ça. Et voilà, donc moi j'écris. Alors maintenant, je me suis réconciliée avec Bitume parce que j'ai eu des relations très très tendues avec ce livre. Ah bon? Étant donné qu'il est vraiment particulier. Oui. Et que la forme est quand même déroutante. Donc quand j'ai commencé à faire le premier salon que j'ai fait, ça a été catastrophique pour moi dans ma tête parce que quand je commençais à parler de ce livre, je voyais la tête des gens. Qui venaient pour acheter des livres de fantasy et des thrillers et des policiers. Moi, j'arrivais avec mon truc. Je voyais la tête qu'ils me faisaient et ils étaient désolés, quoi. J'avais l'impression de leur faire un peu pitié. Et donc, ça a été très difficile. Non, mais c'est vrai, ça a été très difficile pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allée écrire, hein? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et bon. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'impose ce que j'ai fait. Oui, tu as raison. C'est ma façon de faire, c'est mon écriture à moi, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je l'ai fait et je dois imposer mon... Moi, je me demande s'il ne faudrait pas que tu essayes de le présenter d'une certaine manière. On en reparlera hors écran, mais présenter d'une autre manière pour faire ressortir... ce qui pourrait intéresser tous ces gens qui, voilà, je pense que ta façon de le présenter, justement, peut-être désole des gens qui, en réalité, l'auraient peut-être aimé. Du coup, j'ai fait d'autres salons. Oui. Et ça apprend beaucoup de choses, les salons, justement. Et j'ai compris ce que je devais faire, c'est-à-dire, avant tout, accepter mon livre et puis... accepter ce que j'ai fait et puis pas me comparer à d'autres parce que c'est mon truc à moi. Et du coup, j'ai eu des gens passionnés. Et voilà, oui. Des gens qui se sont... Je suis restée avec des gens, quelquefois une dame qui est restée 20 minutes, à peu près 20 minutes avec moi. Et voilà, comme j'ai fait avec toi. Et les gens m'ont dit, ah, c'est passionnant quand vous en parlez. Et du coup, je me suis réconciliée. Ben oui, ben bien sûr. En fait, j'ai découvert récemment, mais enfin, je le savais depuis longtemps, mais que quand j'écris des romans, en fait, que j'aurais bien aimé lire et qui n'existent pas. Oui. Ben en fait, c'est ce que tu as fait avec Bitume. Oui. C'est tout à fait ce que tu as fait. Oui.
Il n'existait pas, maintenant il existe ce livre et c'est toi qui l'as écrit. Oui. Voilà. Et si tu le lisais, sans l'avoir écrit, ben, tu adorerais ce livre. Je pense oui, parce que ça correspond à ce que j'aime en littérature. Oui. Et quand on me dit « je ne comprends pas », je crois que ça veut dire que ça ennuie. Parce que moi, par exemple, quand je lis des romans avec plein de péripéties, au bout de... à la page 200, je ne peux plus, quoi. Mais c'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas, moi, ça m'ennuie. Et j'ai l'impression que je n'y comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je sais que j'ai essayé... J'ai lu un auteur comme ça, je suis peut-être un peu longue, j'ai lu un auteur comme ça qui a vendu énormément de livres avec des thrillers vraiment horribles, mais il a un talent fou, je trouve qu'il a un talent fou dans l'écriture. Il a été obligé de reprendre ma chronique, la moitié de ma chronique, parce que j'avais rien compris à l'intrigue. Je lui ai dit, mais c'est normal, moi, il arrive un moment où je vous ai lu en diagonale, parce que moi, toutes ces péripéties, j'en pouvais plus, et j'avais rien compris. Et on ne comprend pas parce qu'en fait, on s'ennuie. Oui. Et donc, je pense que les gens qui me disent « je ne comprends pas ce livre », c'est des gens que j'ai ennuyés, tout simplement, parce que ça ne correspond pas à leur goût. Oui, c'est donc tout. On décroche et on lit avec plus de légèreté. On décroche, et du coup, parce que bon, ce n'est pas compliqué en soi, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas compliqué, mais si ça ennuie, ça ennuie, puis c'est tout. Je pense qu'il y a deux catégories de lecteurs, sans jugement, parce que moi... Non, je ne crois pas qu'il y a deux catégories, je crois que chaque lecteur est individuel, tu sais. Oui. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai un peu tendance à juger les lecteurs en fonction de moi aussi. Oui. Bon, moi je lis des choses très très différentes, et ce n'est pas en fonction du genre ou du format que je vais aimer ou pas, mais c'est autre chose, je ne sais pas. Alors dans tous les styles, il y a des livres qui vont me tomber des mains, puis d'autres qui vont me séduire. Tu vois? Donc, parce qu'il y a une petite musique aussi, il y a une sensibilité qu'on retrouve. Mais je crois aussi que les gens ont été tellement habitués à lire un type de livre, dans les deux sens. Hein. Parce que moi, je viens d'un milieu plus intellectuel où les gens n'auraient jamais lu... Un e-book, un thriller ou un... Et moi je leur ai toujours dit, mais attendez, avec votre raisonnement vous seriez passé à côté de Balzac. Oui. Parce que Balzac, il écrivait dans des revues, c'était dans les feuilletons. Alors ne critiquez pas ça, parce que si vous imaginez passer à côté d'un type pareil, ça serait quand même idiot. Voilà, donc je pense qu'il y a des barrages, des barrières dans l'esprit des lecteurs. Je pense c'est dommage. Bon, c'est pour ça que moi, je ne comprends pas ça, parce qu'effectivement, je lis tout. Quoi. Et même moi aussi, la preuve, je lis un Goncourt et puis je lis un thriller. Les thrillers, ce que j'aime pas, ce sont les policiers. J'ai du mal avec le roman policier, parce que je n'ai pas l'habitude aussi. Maintenant, ça va mieux, parce que j'ai pris l'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a une culture aussi. Oui, il y a une culture aussi. La fantaisie en France, on n'a pas cette culture qui est très anglo-saxonne. Je ne comprends pas. J'ai acheté... je me suis fait offrir dans un salon par un charmant monsieur qui était vraiment passionnant, et il m'a offert son livre. C'est un livre de fantasy. Je ne comprends pas ce que je dis. Je voulais lui faire une chronique parce qu'il était tellement sympa, mais je ne peux pas. J'ai relu 10 fois. Je t'enverrai une liste de grands... Je t'enverrai, Dominique, t'enverrai une liste de grands auteurs fantasy. Ouais. Et tu vas rentrer dedans et tu vas découvrir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en France, on a été coupés par le monde de l'édition. Nous, au moment où eux, ils développaient Tolkien, etc., nous, on avait quand même la tradition fantastique du 19e. Et puis, on a eu après, dans les années 50, on a eu des Claude Signol, des gens comme ça. Mais en réalité, on s'est tourné vers le nouveau roman. Et ça a tout effacé. Ça fait des désastres. Voilà. C'est barbant au possible, le nouveau roman, c'est illisible, c'est nul. Le problème, c'est que ça a écrasé beaucoup de choses, et notamment des genres un peu plus populaires. Et donc, la fantaisie, on ne l'a pas du tout développée, ça a été méprisé. Et lorsque c'est revenu
Je vais dire grâce à Harry Potter, parce que c'est grâce à Harry Potter qu'on a redécouvert la fantaisie et qu'une jeune génération méprisée par les plus anciens a découvert Harry Potter et du coup ça a envahi les librairies. Eh ben, tant mieux, parce qu'il y a des tellement grands auteurs extraordinaires, mais anglo-saxons bien sûr pour la plupart, mais heureusement après il y a des Français qui ont pris le truc. Moi je connais une auteure extraordinaire. Que tu connais peut-être, Audrey Alouette, elle a une écriture fabuleuse et voilà, elle écrit de la fantaisie. Enfin, elle a écrit un roman de fantaisie extraordinaire. Je t'enverrai les références. Bon, il va falloir, on est bavardes toutes les deux. Alors, est-ce que tu as juste deux mots, un projet, un prochain roman, ça va parler de quoi? J'ai des nouvelles qui vont être éditées. J'ai une éditrice que tu connais bien. Et Super. sont des nouvelles sur les excès de ça va certainement s'appeler Une autre vie. C'est des gens, il y a toujours des gens qui te dirigent vers une vie meilleure. Et ça peut être une catastrophe pour toutes les. Des gens bien intentionnés, des gens bien. Des gourous, quoi, Oui. des coachs, des gourous, des mères abusives, et puis des terroristes aussi, hein, parce qu'en fait, ils veulent un monde meilleur, tous, hein, Oui, à leur finalement. façon, Bon, oui. et donc c'est là-dessus. Et puis, il y a un manuscrit qui est parti par la poste, et Chez voilà. Gallimard. Non, pas chez Gallimard, non, non, je l'ai envoyé à une seule maison d'édition, par intuition, comme ça. Et puis, donc, c'est sur. Une femme peintre qui donc il y a quelqu'un qui est persuadé qu'elle a dénoncé des juifs pendant l'occupation et il y a une autre personne qui rencontre cette femme et qui voit une adorable vieille dame et donc c'est sur la difficulté du jugement et la facilité avec laquelle on condamne des gens sans savoir voilà et puis et puis c'est aussi sur, moi je suis d'une famille juive de par mon père, et c'est aussi sur ce qu'on fait de cet héritage. Est-ce qu'on perpétue le malheur comme quelque chose de génétique? Est-ce qu'on se vautre dedans? Ou est-ce qu'on choisit une vie légère? Est-ce qu'on choisit de tourner le dos à ça finalement? Encore plus que les autres. C'est un problème, une question que je me pose à chaque fois Oui, bien sûr. qu'il y a quelque chose contre les Juifs, Oui, ça revient dans ma bien tête. sûr. Donc c'était important. Alors ça, c'est un sujet qui me touche Oui, bien sûr. personnellement. Bien sûr. Voilà. Et les deux Alors je ne choses. sais pas ce que ça donnera. Mais les deux choix peuvent se côtoyer peut-être aussi. Bon, allez, on va arrêter là. Ben, Dominique, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir. J'aurais pu continuer des heures. J'espère que tout a bien marché du point de vue de la technique. Voilà, qu'on n'a pas trop de crash, de blanc, de choses comme ça. Et je te dis au revoir. Je te dis à très bientôt au Salon du Livre. On va sûrement se croiser. Oui, ben je suis le dimanche, hein. Tu es le dimanche, J'ai super, essayé de voir. super. Oui, Et de voir absolument Kamel Daoud. d'accord, ok. En plus, il doit faire 2 heures de queue, donc je veux le voir celui-là. D'accord, ok, ben super. Ben, j'espère que moi je vais te voir toi dimanche. Je vais venir vous voir Oui, aussi, j'ai tout oui, oui. l'après-midi devant moi, donc. Oui, Et puis d'accord. quand il me voit, même s'il me voit de loin, il va me faire passer avant tout le Mais je te Bon. remercie aussi. J'ai eu grand plaisir à te parler. Finalement, j'avais peur d'être impressionnée, puis non. Ben non, Finalement, ben, je vois pas c'est pourquoi. bien passé. Ben non, mais ces écrans, c'est toujours impressionnant. Moi, j'ai parlé toute ma vie devant des auditoires. J'ai jamais été impressionnée, mais devant un écran, c'est pas pareil. C'est plus difficile. Oui, Non, c'est non, plus difficile. Oui, mais mais ça s'est c'est. très bien passé. Oui, bah parce que je suis sur l'écran que tu regardes quand même. C'est pas un Voilà. écran vide. Heureusement. Mais voilà, bah je te dis au revoir. Je te souhaite le meilleur pour tes romans. Je te souhaite d'être édité par un grand éditeur comme tu le mérites. Et puis, Bonne route pour toi aussi avec tes romans. bah merci. Voilà. Et puis à très très vite. J'ai adoré, j'ai bien aimé les deux. Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, j'ai adoré Fanny. C'était Fanny, non? Fanny N. Fanny F. Fanny N. Fanny L. Ouais. Mais J'ai beaucoup aimé celui-là. ben c'est un roman, on va dire, qui. Voilà. Mais c'est le genre de roman que je ne veux plus écrire. Oui, c'est
mais j'aimais bien l'écriture, j'aimais bien, il y avait vraiment quelque chose. Mais voilà, ça ressemblait plus à ce que j'essaye de faire. Oui, d'accord. Mais moi, comme je cherche, voilà, c'est cette histoire de légèreté. Non, mais c'est bien. C'était bien aussi, c'était génial. Hein. Ton histoire avec Maupassant, moi, j'ai adoré ça aussi. Hein. Mais c'est vrai que plus porté vers le genre de littérature que tu as montré avec Fanny Elle, ça, c'est sûr. Oui. Je comprends, mais c'est vrai que c'est un roman qui m'a fait du mal à l'écriture. Sûrement. Qui m'a fait souffrir, tu vois, physiquement. Oui. C'était dur. Hein. Oui. Bon, allez. Ciao.